Bruce Willis, glace, quelle est la maladie dont souffre l'acteur? Ce jeudi 11 janvier, M6 diffuse le film Glass en première partie de soirée, réalisé par M. Night Shyamalan. Ce film est la suite d'Incassable, sorti en 2000, et de Split, sorti en 2017. L'histoire est celle de David Duchovny, incarné par Bruce Willis, qui va traquer la bête, la dangereuse personnalité surhumaine de Kevin Wendell Crumb, incarné par James McAvoy. Au moment de la sortie en salle de glace, James McAvoy s'était confié sur une scène particulièrement difficile à jouer. C'était carrément épouvantable. Faire des cascades sous la pluie sur le site de cette usine était plutôt amusant. Mais je joue quelqu'un qui ne ressent pas le froid. Je me suis retrouvé debout torse nu sous une pluie glacée à hurler « Je suis la bête ». Alors que j'avais surtout l'impression d'être une poule mouillée en train de geler avec mes tétons plus durs que de la pierre. Bruce portait une caméra fixée sur un support en acier dont les montants dépassaient. Donc quand je m'accrochais à lui de toutes mes forces en essayant de le tuer, ses fauteuils montants me rentraient dans les côtes. Expliquait l'acteur auprès du média CIMAG. Glass est l'un des derniers gros rôles au cinéma de Bruce Willis. En mars 2022, l'ex de demi-mort a surpris tout le monde en décidant de mettre un terme à sa carrière. C'est la mère de ses filles qui avait annoncé la nouvelle sur Instagram, expliquant que Bruce Willis est atteint d'aphasie. Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. Par conséquent, et après mûre réflexion, Bruce abandonne cette carrière qui a tant compté pour lui. C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien. Nous traversons cela en tant qu'unité familiale forte et nous voulions faire venir ces fans parce que nous savons à quel point ils comptent pour vous. Comme vous le faites pour lui, écrivait demi-mort. L'aphasie est un trouble de la communication, qui peut se manifester à l'oral et à l'écrit. Une maladie malheureusement incompatible avec le métier d'acteur. Depuis, les nouvelles concernant l'état de santé de Bruce Willis se font rares. Le 13 décembre dernier, l'acteur était apparu sur Instagram entouré des siens. Mais méconnaissable. Des images bouleversantes. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo.